C'est bizarre qu'il y ait autant de voleurs alors qu'il y a la moitié du ladder qui joue Shaman Face quand même. On verra. Ok, gardons mon pouvoir bouclier. Genre sur clair, sur à peu près tout, c'est assez fort. Oh, Spice, c'est pas mal aussi. J'ai un deck druide me l'a envoyé, comment je fais? Envoie-moi sur Facebook ou Twitter en pote. Ou même en commentaire de YouTube. Je lis à peu près tout ce qu'on m'envoie. Sur les commentaires YouTube, je lis tous les commentaires. Twitter, je lis. Facebook, je lis, mais avec beaucoup de retard parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'envoie des trucs sur Facebook. C'est un peu plus moins facile. Et sinon, bah là récemment, j'ai téléchargé Snapchat hier. C'est LOLEHS, du coup, ça vous intéresse. Où je communique beaucoup avec vous. Donc, du coup, je pense que ça va me laisser moins de temps pour le reste. Mais c'est pas grave, c'est worth it. C'est vachement cool Snapchat, je savais pas que c'est. Je savais pas que c'était aussi bien. Ok, il va pas forcément pouvoir la gérer facilement, c'est cool. Du son à licorne, il va exécution ça, sérieusement? Là, t'es bon nul. Au revoir, Luthier, rentre bien. Bye. Non, bah non, t'inquiète, t'inquiète. T'es en auto-entreprise pour Gamers Origin ou tu es en CDI? Je suis en auto-entreprise prestataire pour Gamers Origin. C'est-à-dire que c'est comme si je travaillais à mon compte. Il n'y a pas de CDI chez Gamers Origin et de manière générale, les CDI n'existent pas dans le monde du streaming. Il n'y a que Talk qui a un CDI en France, tous jeux confondus, parce que bah, Webedia ont beaucoup d'argent et du coup ils peuvent se permettre ça. Gamers Origin c'est une petite start-up, ils peuvent pas se permettre ça. Pas pour l'instant en tout cas, peut-être un jour. Non, c'est pas grave. C'est de la merde en vrai. Vas-y, fuck you. Sérieusement, on a une vermouth, ma nulle. Le nom à copine d'Ador, je suis jaloux. Bah, désolé, Vegastar. T'inquiète. Peux pas m'adorer plus qu'elle t'adore, toi. Si Shaman te manque, le Wello joue un petit peu de Reno Warlock. Blizzard font les gros salauds avec le matchmaking. Si Shaman te manque. Ah! Tu veux dire pour que je croise des chamans, il faut que je joue ça, ok. C'est à mon tour. C'est pas ouf, parce qu'en soi on se fait quand même rouler dessus bien violemment, mais c'est quand même. Ça pouvait être pire. On pouvait se retrouver dans cette situation, on pouvait pas le gérer. Ah bah c'est sympa ça, les alertes un petit peu partout, là, à gauche, à droite. Première de l'ascension sur Twitch, et sinon c'est quoi les decks à ne pas jouer dans cette méta? Merci à toi Spigno. C'est une question très étrange ça, c'est quoi les decks à ne pas jouer dans la méta? C'est genre l'inverse de la question ordinaire. Je sais pas honnêtement les decks à ne pas jouer, qu'est-ce que je peux te dire? Ah, jouons Sylvanas. Quels sont les decks? On a une Zot, hein, on rappelle, sur ça qu'on joue Sylvanas, sinon on l'attendrait. Les decks à ne pas jouer, bah écoute tous les decks de merde quoi. Globalement les decks à jouer ce serait Warrior. Oh nice, le reste va faire la taf. Warrior, qui est très très fort, qui joue là, Warrior Tempo, Warrior Control, Tempo c'est pareil. Pareil au niveau des decklists mais c'est globalement le même principe quoi, c'est de contrôler le board. Zo, très très fort le Zo. Voleur qui est globalement fort si tu tombes pas contre un deck aggro, si tu t'arrives à tomber contre des prêtres et tout c'est cool. Ok, joue Harrison. Ah nice, petit conservateur du musée. On va récupérer encore un petit rat d'agonie la famille. Ils sont tous les trois très nuls à prendre le golem des moissons. On va voir ce que ça peut donner. Le as-tu une decklist Shaman Tempo la plus fiable pour monter légende? Je ne connais pas de Shaman Tempo. Par contre, je connais un Shaman Control. C'est celui de Tides of Time qu'il a joué au championnat du monde là, aux qualifications au Spring, qu'on a casté. Dont j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube, les potes. Sur le TV, tu peux retrouver la vidéo à date de il y a 3-4 jours. C'est Shaman Control le titre, je crois. Et elle est sympa. Elle est sympa. Pas non plus, tu vois, la decklist révolutionnaire, mais. C'est une decklist vraiment, genre vraiment pour le coup, original, mais. Elle est sympa, elle gagne, c'est ça qui compte. Waouh, exécution là-dessus. C'est ambitieux.
Ouais, plutôt bien. Alors, où je me coche? On était chanteur avant, évidemment. Ok, le heurtoir qui va lui permettre de gérer cette okenaï. Il se met bien le coquin. Il joue probablement des games patron, faut faire gaffe. Après, on a mal des terres, du coup, on s'en fout un petit peu. Le brave sabot de sang, c'est le deuxième. On y va, on se fait plaisir. On balance à goule instable, on a peur de rien. Allez, on lui donne le mal déterré, comme ça il augmente la chance de le piocher lui et de se mettre dans une mauvaise situation et on redéveloppe le board. C'est cool, c'est cool, c'est cool. On est pas trop mal, on pourrait être pire, on va dire. On pourrait être bien, bien pire dans cette game. Ah, le bon gros mâche. Le bon gros mâche qui part. Qu'est-ce qu'on récupère? Attention. Oh, ça je fais, c'est pas dégueu. Il pioche deux cartes, pas mal du tout pour lui. On va ensevelir ce gros mâche. Ça va être embêtant s'il a Varian et tout, mais bon, il faut prendre des risques dans la vie. De toute façon, on peut pas le laisser sur le board, hein, évidemment, vous imaginez bien. Il nous faudra une Okenai, évidemment, éventuellement. C'est le salut à tous. Salut à toi, Kaiser Lucho. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, les potes. C'est plaisir de vous voir. Ah, Ragnaros. Ça va être relou. Ah, en plus, Fairy War Axe dessus. Oh, putain, la vache. Il nous roule dessus. Pourquoi il a toutes les grosses légendaires, quoi? Genre, moi aussi, j'ai des légendaires là-dedans. Est-ce que je peux avoir Enzot, s'il vous plaît? Ah, on a eu deux fois Saint Charos. C'est rigolo, ça. Oh, top deck ensevelir, ça, c'est cool. J'aurais pu jouer les Saint Charos ici. Ah, c'est vrai que c'est étonnant. Le deck le moins cher pour monter en ladder, je te dirais Zo. Zo est le deck le moins cher qui reste très efficace. Cairn, très bien. On s'arrête jamais de jouer des légendaires. On y va, on se fait plaisir. Ce qui se lève à l'heure où je me couche. Je pense qu'on joue même ça en vrai. Genre, ça n'apporte rien dans la main, étant donné qu'il joue aucune créature qui a un HP en principe. Du coup, là, jouer juste là est pas trop mal. Il faut qu'on top deck Enzot, les gars. Le Enzot. Comment il a de cartes dans le deck? On a 14 cartes. Il a beaucoup plus chez lui hein, de ce côté. Une armure faite sur mesure. La collée de la souffrance. La goule ravageuse qui lui permet de repiocher un petit peu. Pas trop mal. Il va pouvoir prendre ce trade et taper avec son armée ici. C'était une très très bonne combinaison de cartes ici qu'il nous a fait. Ok, il avance de plus en plus à la fatigue, faut juste que moi je top deck Enzot sur ce tour, on a gagné. Allez, tu me régales mon pote. Tu me régales, c'est dit. C'est dit. Alors, bim, ok. Ah la vache. J'adore ce deck. Je pense pas qu'il puisse se permettre de trade le board. Oh, ça c'est ambitieux. Pioche une carte supplémentaire, ça va buffer quoi? Ça buff directement le golem des moissons, ça c'est pas mal, c'était probablement l'un des meilleurs. Il peut trade la carne dedans, mais ça ne suffira probablement pas. Paladin, c'est pas un petit peu pourri en ce moment, je fais que de perdre avec le Ktoon et Enzot mid. Ktoon, c'est pas très fort en paladin, le midrange non plus. Le Enzot est pas trop dégueulasse si tu veux jouer Enzot, mais le problème du Enzot. Oh non, pas full face mon gars! Oh bah non, trop agressif ça! Le Enzot est très fort, mais contre tout ce qui est contrôle. Donc faut que tu tombes contre Warrior et tout, quoi, globalement. On a rien pour suicider lui? C'est génial! Comment il a su que j'avais son rapide dans la main? Comment il a su? Parce qu'en soi, il était pas mort. Hein. Il était pas mort et il avait gagné le tour d'après. À moins qu'il savait que j'avais un soin rapide dans la main pour ne pas mourir. Mais bon, c'est très étrange. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le top deck Enzot qui nous a mis tellement bien en vrai. Ah! Le petit Gul'dan. Ça, c'est pas mal ça. Ça, le petit Gul'dan, on va se régaler. Bon, du coup, on a perdu une game. On est plus à 100% victoire. Bon, on est sur une bonne série quand même. On a perdu une game contre un voleur. Voleur qui est pas évident à gérer. On va garder cercle de soins pour Okenai. Est-ce qu'on garde cercle de soins? Ouais, vas-y. Ouais, est-ce qu'on garde? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Petit Okenai ici, la famille. Ah, pas de petit Okenai. Bon. Si on n'a pas d'Okenai, par contre, cercle de soins, on va avoir l'air un petit peu con. Oh, ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal ça. Oh, ça, c'est vrai que là, on se régale. Faut juste pas qu'il ait la 3-2.
Au début, tout le monde jouait avec Toul, mais maintenant personne ne le joue. Bah, c'est normal, ça. Après, c'est toujours ça, tu vois. Au début, les gens, ils ont envie d'essayer des decklists et tout, tu vois. Et après, plus le temps passe, moins les gens ont envie d'essayer, tu vois. Les gens ont juste envie de jouer les decks les plus forts. Mais on sent que Toul, ça reste encore viable. Et c'est même, genre, le seul archétype de deck contrôle qui soit encore viable, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, il nous faudra les mêmes nombres de douleurs, ce serait cool. Ah, mettez cette pomme sur votre tête. Très intéressant. Ah, ok, il joue rien d'autre. Ok, ça me va. On repioche une carte, puis ça lui fait perdre du temps. En fait, cette intro là, elle a vraiment bloqué dans son. Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Nice! Sergent Rossé, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Oh non! Non, non, non! Non, 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 elle a beaucoup trop de chance, les gars! Qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? C'est un cauchemar! Bon, il nous faut Okenaï, hein, par contre, dans ce match-up là. Certes, la intro nous a fait gagner du temps, mais je suis pas sûr que ça suffise, hein. Peux-tu me dire un deck druide qui fonctionne bien en ladder? Druide Cthulhu. Druide bête aussi est pas mal, je veux dire. Mais druide Cthulhu est meilleur. Encore un tour 1? Oh, ça suffit maintenant. Encore Sergent Rosset. Oh non, t'énerves tout le monde là. T'énerves tout le monde, mon gars. Oh. Par contre, c'est pas facile. Là, si tu me donnes pas mieux, mon pote, je vais pas pouvoir faire beaucoup. Oh, est-ce qu'on ferait pas ça? Non, je vais faire ça. Faire ça me permet juste de tuer lui, ce qui n'est pas vraiment intéressant. C'est un petit peu relou le jongleur qui snipe à tous les tours. Hein. Ça, c'est vraiment relou par contre. Là, par contre, c'est chiant. Là, on s'énerve là. Là, c'est le moment où tout le monde est énervé. Bon, dommage que ça ait snappé un petit peu notre créature, mais bon, c'est pas grave. On va s'en sortir, les potes. On va s'en sortir. On a de la Sylvanas, on a beaucoup d'HP. On n'entend pas la musique, c'est vrai? Oh, dommage. Bim, est-ce que vous l'entendez mieux là? Rajoute Docteur Boom, ça serait cool. Ah, si seulement. Si seulement. Bon, par contre, t'as un petit peu chance, un petit peu chance sur le mix de W. Ok. L'Argus qui part, il va pouvoir double trade parce que le jongleur a snappé notre créature. Ça fait plaisir. Okenai, Okenai, Okenai. Ah putain. Non! Que fais-tu? Pourquoi? Pourquoi Never Okenai? Bonsoir Loélo, bonsoir. Salut à toi Chris Mick. Salut Loélo, tu as vu le film de World of Warcraft? Non, pas encore, je le regarde ce week-end, j'espère. Il a 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts sur le board, on est à 23. Donc on sent on est assez haut en HP. On est assez haut. Ah, pas si mal. Oh, il trade, nice. Ah, du coup, maintenant que j'ai dit ça, il va aller face. Bah oui. Ah ouais, je sais pas, ça dépend de ce qu'il a dans la main. S'il a de grosses créatures, il a envie de trade pour pouvoir jouer ses grosses créatures et m'assurer. La 2-4, la 2-4, il a même pas tapé avant la 2-4, la 2-4, la 2-4. Wouhouhou! Nice! Superbe, tu me régales, mon pote. Tu me régales. Là, tu me mets bien, là. Là, mon pote, tu me fais plaisir. Là, tu me fais un vrai kiff, là. Bah oui, une petite erreur quand même. Là quand même faut admettre que là il y a une petite erreur. Là faut être objectif. Non, juste ça. Non, bah je joue le spice, ça a pas d'intérêt. On jouera plus tard. Tu as commencé à Hearthstone il y a combien de temps le vélo et au bout de combien de temps vas-tu monter les jambes? J'ai commencé à Hearthstone à la bêta ouverte, j'ai pas eu la chance d'avoir la clé pour la bêta fermée. Du coup, j'ai commencé en janvier, pas janvier là, pas janvier d'avant encore. Donc c'était il y a 2 ans, il y a 2 ans environ.
Au bout de combien de temps je suis passé légende? Alors ça c'est dur à dire. Je suis passé légende le premier mois quand j'avais commencé à jouer. Mais c'était plus facile à l'époque parce que bah t'avais beaucoup moins de joueurs déjà. Et les joueurs savaient pas jouer. Personne savait jouer en fait. Donc du coup c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui c'est beaucoup plus dur pour tout le monde, tu vois. Donc du coup moi j'étais passé à l'époque, j'ai joué en free to play et j'avais fait un petit Hunter face, full face, vraiment débile, avec des Murloc charge, avec le tir des Arcane face et tout, enfin c'était assez assez agressif. Et bah j'avais eu la chance de monter un petit peu avec ça. Et ça se passait plutôt bien, on était content. On était heureux, on était heureux. Non, ça. Ok. Mon écho est éternel. Et ouais, du coup, après, bah, on a continué à passer légende à toutes les saisons, mais c'était vraiment simple au début. Au début, c'était beaucoup plus simple, en fait. Et puis après, avec le temps, ça s'est complexifié un petit peu, mais. Après, bah, c'était. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a tué ça? Ah, il a feu de lame dedans? Ah, ok, top deck feu de lame et ensuite il a fait ok. Qu'est-ce que ça, j'ai joué Camaral Dagon, j'ai joué Sylvanas, bon, je pense que ça vaut le coup quand même. J'aurais peut-être dû trade d'abord ça. Wow. Genre, on va trade alors qu'on a étal le tour d'après, quoi, ça n'a aucun sens. Je pense que si j'avais commencé aujourd'hui, j'arriverais pas à passer les gens, c'est trop compliqué. On peut t'en rajouter même si on est nul. En tout cas, tu apprends beaucoup de choses. Merci à toi Maxubaz. Sur Hearthstone non parce que c'est full, mais par contre tu peux m'ajouter sur ailleurs que sur Hearthstone quoi. Tu peux communiquer avec moi ailleurs que sur Hearthstone. Et bah dis donc les Sylvanas nous régalent vraiment dans cette partie. On a chatté sur toutes les Sylvanas. On a vraiment eu de la chance. Nice. Est-ce qu'on a des quêtes juste? Je vais jeter un petit coup d'œil aux quêtes rapidement. Mage ou chaman? Ah, j'ai envie de jouer ni l'un ni l'autre. Bon, vas-y, on va la garder quand même, c'est une quête à 60 gold. Il est chelou ton bracelet, Loello. Bah, pour le coup, c'est les bracelets d'Adrema que je les ai pas enlevés. J'en avais 3. J'en avais un au papier qui s'est enlevé avec les douches et tout. Et celui-là, il est en plastique et celui-là, il est en tissu. Du coup, ils se sont pas enlevés. Je les aime bien. Je vais les enlever, je pense, soon, aujourd'hui ou demain. Mais je les ai gardés un petit peu en souvenir parce que c'est quand même un beau sou. Ouais, bah, belle game du coup, on s'est bien amusé. Bon, voilà, nice, évidemment. C'est avec ce deck là, c'est comme ça qu'il faut monter les gens. N'hésitez pas évidemment à en prendre de la graine. Vous intimidez tellement votre adversaire qu'il capitule directement. Ça, c'est les biceps. Hein. Les biceps ont encore frappé. Hein. Ah là, c'est les biceps. Hein. Là, clairement, on peut dire que il était intimidé par mon. Par ma carrure, pas ma carrure, hein, par mon gabarit de rugbyman. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de rugby dans la vie. J'en ai fait. Pendant 2 mois au collège. Ah, c'était pas mal ça. Je me faisais rouler dessus par tout le monde et mon prof me disait. Enfin, je peux vous dire ce qu'il me disait, c'était trop. C'est trop la honte. C'est trop la honte. Alors, du coup, ce qu'on fait? Ok, on le vend tout. T'as les mêmes biceps qu'Aldariat. Non, un petit peu plus quand même. Un petit peu plus. Alors, Aldariat, c'est. C'est un petit enfant quand même à côté de moi. Ah, il est balèze là. Ah, tu te fous de ma gueule, les gars. C'est pas cool. Oh, le contre Gaara 146. Salut Gaara 146. Ça, c'est un français, ça. Gaara 146, 100% c'est un français. C'est un français qui a regardé Naruto quand il était jeune, qui a pris ce pseudo-là. On l'a tous fait, hein. Enfin, genre, on l'a tous fait. Et qui a rajouté 146 parce que c'est toujours les français qui rajoutent des chiffres à la fin de leur pseudo. C'est vraiment franco-français, ça. Hein. Ça sent bien de la gagner. Oh là, ça en a gagné. C'est plaisir. C'est une petite musique d'Ariana Grande. Si avec ça on passe pas un bon moment, alors que vous faut-il? Qui joue compagnie animal et qu'il a la 2-4, on a gagné. Ton snap. Alors mon snap c'est Loello HS. Et je l'ai créé. Je sais pas encore très très bien m'en servir. Je l'ai créé hier. Hier soir, je l'ai créé ce matin, on va dire. Et du coup, j'ai ajouté. Vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir ajouté déjà. Et j'ai que c'est vachement sympa parce que pour le coup, je connaissais pas trop, mais ça permet bah, d'être très proche de vous et tout. J'ai vraiment adoré. Ça va pas être très utile, il faut l'admettre, mais bon. Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans.
Pas là-dedans! Non, 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 non. Nice! Comme ça, si c'est un piège explore, en fait, il est direct. Parce que du coup, ça meurt pas. Après, si c'est un piège givrant, on s'en fout, tu vois. Mais. En soi, si c'est un piège givrant, on aura tué deux cartes avec ça, donc c'est cool. Oh, Kodo dans le vide, ok. Ça, c'est la tristesse, par contre. Allez, face. Ok, c'était un piège givrant. J'ai bien envie de faire ça et ça. Ouais, vas-y. Je sais que je peux mot de l'ombre douleur, mais. Mot de l'ombre douleur me force à développer juste un conservateur du musée, ce qui est relativement faible en soi. Alors que ça me permet de développer un petit peu plus fort sur ce tour-là, donc c'est peut-être à mon sens plus fort. Je sais pas qu'il est grand trainer. Oh, ok, tiens, meurtrier, ça me va. Ok. Le petit Harrison Jones qui est là. Il sera utile. Quand es-tu rentré chez Gamers Origin? Je suis rentré chez Gamers Origin quand j'ai commencé en fait l'e-sport. En fait, en gros, si vous voulez, je jouais en mode un petit peu casu et tout, en free to play Hearthstone au début du jeu. Et attendez, qu'est-ce qu'on fait ici? Deux petites secondes. On va faire un petit truc skillé là. Un petit truc skillé. Attends, on va faire ça. On va prendre ça. Prenons ça déjà. Regardons ce qu'on récupère. Déjà, un bon joueur va avoir une bonne carte. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est des cartes pas mal, ma foi. Ça c'est des cartes très sympathiques. Prends le robot de soins corrompu. Genre un robot de soins corrompu, c'est genre si c'est fort. Oh, ouais, le face. Et genre en gros, je joue en mode casu, tu vois, en rentrant de la fac et tout. En fait, je jouais à LoL beaucoup avant. Beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, quand j'ai arrêté LoL, j'avais beaucoup de temps libre et je me disais, putain, merde, qu'est-ce que je fais de tout ce temps libre, tu vois. Et merde. C'est très fort ça ce qu'il a fait. Hein. C'est très, très, très fort, très, très dangereux. Hein. Ah, c'est très embêtant du coup. On va faire. Deux, quatre. C'est une bête ça? Non, c'est avec un. Deux, quatre. Pas là-dedans, pas là-dedans, pas là-dedans. Fuck you! Non! Non! Là c'est un non! Là non! Non, tu peux pas, mon gars, non! J'avais une strat et tout en plus! Oh non, là t'es pénible là! Là t'es en train d'être pénible! Ok, tape là-dedans et soit non, non. Super. Non, on a gagné en vrai. En vrai, on a gagné 100%. Et donc, du coup, voilà, je joue un petit peu en rentrant de la fac et tout. Super. Le mec qui met 3 heures à raconter son histoire, tu vois, ça commence à devenir chiant. parce que j'avais beaucoup de temps en ligne, j'avais rien à faire. Du coup, Hearthstone, c'est un jeu qui prenait pas trop de temps. Et je joue en free to play un petit peu de temps en temps. Et j'ai eu la chance du coup de me qualifier au championnat du monde. On avait pas mal de tournois, etc. Que du coup, voilà, j'ai chaté comme un gros porc, hein, évidemment. On se régale. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense que c'est ça. Ok, superbe. J'étais comme un gros porc, bref, on s'est qualifié. Il y avait The Fichou, à l'époque, hein, au début du jeu, il y avait The Fichou, moi et Noisy Boy, il y avait trois Français qui s'étaient qualifiés. Et du coup, on y est allé, etc. Et là, partant de là, en fait, il y a Gamers Origin qui m'a contacté, qui m'a dit, ouais, tout, vas-y, viens, ça va être trop bien, on va s'éclater, on va se taper de bonnes barres. Bref, j'ai rejoint Gamers Origin et ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, j'ai jamais quitté Gamers Origin depuis. Voilà, c'est pas une histoire de ouf, mais c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai jamais rejoint Gamers Origin, donc j'ai rejoint en septembre 2014 Gamers Origin. Octobre, septembre, octobre 2014. Et depuis, c'est cool, voilà, on n'a pas eu. On n'a pas encore eu de raison de partir, on va dire. C'est très chelou de dire ça, mais. Bon, donne-moi ça, tu fais la maline à pas vouloir traiter Sylvanas, moi je te punis direct. Bim bam boum, mon prochain tour on le pioche, on fait maître chien dessus. Mouah. Ça semblait qu'il joue une arme et qu'il passe. Mais il est pas assez con pour faire ça quand même. Ah bon, non, il tape. Moi bon, c'est pas grave, il joue une arme quand même, donc c'est cool. Ah putain, ah là, je suis la capitaine, ok. Mouah. En deux, allez, ça monte. Ça grimpe les potes. I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a CeraVe sample with a dope ass beat.